practical inspiration to all. Working hard every day, never to fall. From bottom to the top, Tom Psycho never stops. Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Hello les potes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Nous sommes partis aujourd'hui pour un épisode de mode carrière qui va être très important. Comment vous allez les petits gars? J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui se joue le moment crucial de notre saison. On verra si on va réussir à faire nos objectifs ou pas, tout simplement les potes. J'espère que ça va être cool quoi. Après bon, on peut avoir un dénouement énorme, un dénouement moyen et un dénouement affreux. Tout peut se passer aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, en tout cas ça aurait été une belle saison hein, sur à la Juve. Donc on va voir un petit peu ça donne. De toute façon on va faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé comme d'habitude pour expliquer aux gens. Alors les petits potes, épisode très important aujourd'hui, le classement vous allez comprendre du coup ce qui se passe. Nous sommes deuxième à 3 points de Milan. Il reste qu'un seul match à jouer. On n'a pas le destin entre nos mains. Nous on doit gagner et espérer que Milan perde face à la Lazio. C'est un fait possible. Maintenant voilà, ça va être compliqué. Donc le championnat se joue là, sur cette dernière journée qu'on va jouer maintenant. Mais bien évidemment aussi, il y a un petit truc en plus dans cette saison qui s'est joué. Au final on a réussi à se hisser en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Donc voilà, deux matchs encore à jouer dans cette carrière et on espère que ce sera la folie. Alors sachez aussi que les défis sont faits pour être réussis ou ratés. J'ai pas forcément envie de continuer à la Juve, donc je me suis mis sur le marché des transferts si jamais, suivant quelle offre on peut avoir, etc. Parce qu'on a déjà en tout cas réussi ce qui est sur notre défi de meilleur buteur du championnat. Voilà, hein, je pense que Jota va pas forcément marquer 20 buts pour nous battre en un match. Donc on est meilleur buteur. Le championnat, ça se joue maintenant. On verra bien. On n'a pas le droit de recommencer comme d'habitude, les gars. Et puis voilà. Mais je me suis quand même mis sur le marché des transferts pour éventuellement aller voir ailleurs. Et puis s'il n'y a pas de proposition cool, c'est pas grave. On refera une saison pour juste être champion d'Italie. Donc on focusera le championnat. Et puis on partira peut-être si on a une bonne proposition. Donc voilà. En tout cas, gros épisode aujourd'hui. Tout se joue là, quoi. Ça va être fou. Allez, nous on joue contre la Fiorentina. Et il faut espérer de dans le même temps que Milan fasse un mauvais pas. On est devant au goal average. Donc normalement, si ça se passe comme ça, on passerait premier. Mais vous le savez, ça dépend pas de moi. Et on recommence pas ici. Donc du coup, bah voilà. Mais en tout cas, ce serait fou. Franchement, ce serait dingue qu'on gagne et qu'ils perdent et qu'on soit champion sur la dernière journée. C'est un truc de ouf, quoi. Après, voilà, on verra. On verra ce qui va se passer, les potes. Allez. Alors, on vous montre un petit peu des petites animations. Bon, voilà, pas grand-chose d'intéressant. On n'est pas dedans, donc ça ne nous intéresse pas. Dernier match de championnat. Ça va être tendu, les potes. Ça va être tendu. Fiorentina. Juve, pas simple à manœuvrer. Attention, hein, la Fiorentina, pas forcément simple à manœuvrer ici. On va en tout cas espérer que notre joueur qui sort d'une saison incroyable, hein, un record de buts en championnat italien, record de buts en Ligue des Champions, ça peut être fou. Éviter la victoire ou le nul, ça va être ça, notre objectif amélioré. On veut la victoire ici. Et c'est parti! Dernier match de championnat les gars, je vous le rappelle, nous sommes obligés de gagner si on veut être champion. Et dans le même temps, il faut que Milan perde face à la Lazio. Et on serait sacré champion d'Italie sur cette saison qui est franchement incroyable hein, pour une première saison en Italie, bien évidemment. Mais voilà, pour nos objectifs personnels, et Rabiot. Rabiot dans la première minute qui nous met un petit but. C'est bien, Adrien. C'est bien. On a confiance pour le titre. Moi, je t'avoue que je suis pas serein. Ils ont à chaque fois réussi à faire des... À chaque fois où j'aurais pu passer devant, j'ai pas fait les bons résultats, comme par hasard eux aussi. Tu sens pas le script, mais ouais. En tout cas, ça paraît plutôt logique aussi. Je veux dire, ils vont pas lâcher leur titre comme ça, quoi. Mais je sais pas si je peux être tenu au courant pendant le match de l'évolution. Nous, en tout cas, voilà, on n'a pas se poser de questions. On doit gagner notre match et c'est tout, hein, les potes. Donc voilà. Allez, focus. Parce que bon, il est pas gagné le match. Hein. Clairement, nous, il faut aussi qu'on fasse le taf, hein. Allez, tu es dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas d'espace. Bien joué, Joao.
C'est replacé. On peut le prendre de vitesse peut-être. Non. Ouh. Je me suis un peu chauffé. Oui, Lovic. Ok les gars, let's go. C'est quoi les pas? C'est la caméra devient pro, hein, vraiment. C'est la caméra de base quand tu lances le mode normalement. Allez, en tout cas, mes coéquipiers qui ont envie de faire le taf, hein. Mes coéquipiers qui ont envie de faire le taf là. Je fais rien dans le match. Et pour l'instant, on gagne 2-0. Putain, trop de pression de ne pas savoir ce que fait le Milan. Imagine, ce serait dingue. Ce serait oufissime. Ah, la pression qu'il y a, quoi. On va marquer un petit but aussi si éventuellement c'est notre dernier match à la Juve. Peut-être qu'on y reviendra en Italie, hein, par la suite de la carrière, mais c'est vrai qu'on a envie un peu de bouger si on a une bonne proposition. Vu que là, franchement, on a gagné la coupe. On est en finale Ligue des Champions. On a presque tout fait, entre guillemets. Hormis être champion, bien évidemment. C'est pour ça que voilà, j'ai peut-être envie de partir. Ou en tout cas, si on reste encore une saison, je vais pas vous mentir, la Coupe Européenne, je la simulerai pour essayer d'aller au plus vite. Tous les matchs, on va simuler un maximum, hein, si on reste encore une saison, pour juste faire le défi qu'on a besoin. Être champion d'Italie. Faut voir aussi le mercato qu'il y aura éventuellement à la Juve si on reste, parce qu'on n'a pas une équipe forcément ouf. On a une bonne équipe, mais on a des postes où on manque, quoi. T'as mis les infos au but de Milan. Non, j'ai pas mis d'infos, je sais pas comment on fait. Je sais pas qu'on pouvait activer ça. À la mi-temps, peut-être qu'on aura quelques infos. Bien. Bien, les gars. Une faute. Allez, allez. On focus. Pas d'addition du score, bien joué. Ouh, putain, je m'attendais pas à avoir la balle là. Je fais pas mon match, hein, mine de rien. T'inquiète, ça te dira en haut à droite peut-être. Ouais, normalement ça te le dit. Les trucs importants, ça te met les infos, donc on va être à l'affût. Si jamais on a une info qui tombe. Et but, 2-1, attention. Allez, pas grave. C'est pas grave. On mène toujours. Oh, elle était belle. Belle frappe. Merci Aurélien pour le sub. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Ouais, bien. Golazo. Eh oui. On y va de notre petit but quand même. Quelle frappe. Magnifique. Lucarne opposée. Somptueux. 49 buts en 37 matchs, quel record. Quel record sur cette saison. Belle saison, quand même très très belle saison, hein, d'un point de vue perso. 26ème, CAG, putain je vois pas, en haut à droite ça a bugué. Ah non, Udinese, ok, c'était pas le bon match. Ils nous ont montré le score de l'Udinese, on s'en fout un peu. Allez, jouez à la baballe si vous voulez, les gars. Dommage. Allez, mi-temps. Rabiot, Chiesa et Saiko pour les buts. L'équipe joue bien, ça fait plaisir. On va voir si on a les informations des autres matchs. Je suis pas sûr. Pour l'instant, j'y vois pas. On va descendre. Je veux pas descendre. Putain. Il gagne 1-0 Milan. Aïe. Il gagne 1-0 à la mi-temps au Milan. Ça va être dur. Il faut qu'on puisse jouer à domicile. Ouais, ça va être chaud les gars. Ça va être chaud. Malheureusement, bon, les joueurs ont eu la nouvelle dans les vestiaires. Et bon, bah, on va continuer à jouer, espérer, mais bon. On peut dire que c'est déjà plié. Non, il faut y croire. La Lazio peut le faire. Nous, il faut qu'on continue à être professionnel. Qu'on fasse notre taf.
On verra bien. Ah. Oula, attention. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais bon. J'aimerais tellement voir un 1-1 s'afficher. Bon, par contre, je veux pas qu'on perde non plus, hein, les gars. Oh. 3-2, attention. Attention. C'est quoi ce centre de poussin, là? Seul au Sampdoria et un but, mais c'est pas les matchs qui nous intéressent. Je suis en train de fixer mon écran en haut à droite pour voir s'il y a des résultats qui pop, les gars. Oh non, les gars, oh. Prochaine rencontre le 30 mai. Finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. À noter. D'ailleurs, le Real qui s'est effacé de Manchester City en demi-finale dans ma carrière. Est-ce que ça va être prémonitoire pour ce soir? Un match de Ligue des Champions ce soir, en vrai. Eh oui, la passe D. On reprend deux buts d'avance. C'est pour qui ce soir? Franchement, j'ai pas forcément mes gars de préférence, quoi, tu vois. Après, il y a un Suisse à City, quoi, quand même. Ça serait plaisir qu'un joueur suisse ait en finale de Ligue des Champions. Mais je suis plus football anglais que football espagnol, en vrai. Je trouverais vraiment inédit et sympa une finale Inter-City, en vrai. Faire là. Bah bien sûr qu'on y va. Eh oui les gars, on aura fait le taf, hein. On a fait le taf. Ah, j'ai regardé, on me demandait l'âge que j'avais dans la carrière. J'ai 21 ans dans la carrière. Donc on a encore de belles années devant nous, hein, vraiment. On va rester à la fin, hein, jusqu'à la fin sur le terrain. On va profiter. C'est peut-être notre dernier match à la Juve. On sait pas si on va partir ou pas. Ça dépendra des offres. Et si on est champion, on partira à 100%. Quoi qu'il arrive, on partira. Et si on n'est pas champion, c'est 50-50. Ça dépendra un peu de l'offre. Car manager, ça n'intéresse pas. J'en ai une en cours. Une équipe de Servette, somme toute, incroyable. Oh les gars, le but légendaire pour partir. Non. Bon, il n'y a pas eu d'annotation, hein, sur le match de Milan. Ça sent mauvais, les gars. Ça sent mauvais, cette histoire. Oh, j'ai failli marquer le but de la saison sur le dernier match pour dire au revoir aux supporters. Oh là là. C'est quoi cet arrêt? Oh, il était incroyable. Oh, le ciseau. Il aurait fait le tour du monde. Bon les gars,
Ça va être maintenant. Le problème, c'est que je pense qu'il y aurait l'animation de champion si on est champion, donc je pense qu'on va être spoil par rapport à ça. En tout cas, on est content parce qu'on a gagné. C'est une certitude. Très content même. On est quand même très content. Est-ce que c'est prémonitoire? Il n'y a pas d'animation de champion, je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort, les gars. Est-ce qu'il y a l'arrêt? Regardez ça. Non, franchement, celui-là, il est incroyable. Comment il a fait le centre? Oh! Centre en aile, j'avais même pas vu ça. En tout cas, il va la chercher, hein. Ouah, il va la chercher, hein. Pff, oh là 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 là. Incroyable. Bon, les gars. On va descendre. On n'a pas vu. On n'a pas pu voir. On va savoir maintenant. Classement. Ils ont gagné. Ah là là, ils ont gagné les gars. Bah c'est comme ça, hein, on n'est pas champion. Ah, 3 points, ah, une victoire, c'est fou hein. Ça s'est joué à rien du tout. 2-1, putain, 2-1. S'il y avait eu 1-1, ah là là, dommage. Dommage les gars. Bon, malheureusement pas champion, ok. C'est un fait, ça arrive, c'est comme ça. Mais en tout cas on aura vécu une belle saison. On finit meilleur buteur, c'est normalement une certitude. On va aller quand même vérifier pour valider officiellement notre premier défi ici fait. On veut changer la compétition, s'il vous plaît. Coppa d'Italia, non. Serie A, voilà. Bon, Serie A, voilà. On est meilleur buteur, il n'y a pas photo. Bon, bah, les gars. Oui, mais s'il y avait eu 1-1 dans le match, tu vois, on aurait pu y croire qu'il marque encore un but. Enfin, voilà, bref, c'est pas grave. On va y aller, les potes. On va y aller. Finale de Ligue des Champions, du coup. C'est quand même plutôt sympa, mine de rien. Vous êtes... Alors moi, il faut que je mette à fond solitaire. Il faut que je me mette à fond des points solitaires, en vrai. Il faut que je réponde que solitaire, maintenant. Là, faut vraiment que je me focus. Voilà. Et les passes, oh, on pourra voir après si tu veux. On pourra voir après. Là, on va se concentrer sur notre finale de Ligue des Champions, les gars. Ouh, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, les gars. Mais bon, on espère que ça va le faire. On va juste voir l'accueil équipe s'il y a éventuellement des clubs intéressés. Ah, mais ils m'ont pas mis. Bah, demande de transfert. Pourquoi ils me le mettent pas, en vrai? Bizarre. Je l'ai déjà demandé. Bon, on verra. Allez, finale de Ligue des Champions, c'est la première de notre histoire, les gars. Première finale de Ligue des Champions. Les équipes. Oh, Vinicius Junior, Nkunku Rodrigo, Valverde Catler, Tchouameni, João Mario White, Martinez Skriniar et Courtois toujours là. Ok. Putain. Si jamais je sais que tu vas vouloir les convoquer des équipes, tu peux les voir dans... Ok. Ah, ils peuvent refuser? Merde, pourquoi ils peuvent refuser? Du coup, je fais comment pour partir, moi, si jamais? Allez! C'est la finale de la Champions League, les gars. Vlahovic, vas-y, c'est n'importe quoi. Vini est là. C'est quoi ce stade? Je sais pas ce que c'est comme stade. Wembley, ok. Quand ils refusent, faut juste redemander et au bout d'un moment ils acceptent. Ok, ça marche. Oh, le maillot il est beau en noir. Hein. Allez. On va mettre ça hein, comme objectif amélioré. Merde, j'ai raté, bon c'est pas grave. De toute façon, on va pas focus sur l'objectif, là on veut gagner les gars. C'est la finale de la Ligue des Champions. Hein. C'est la finale de la Ligue des Champions les gars. Première fois de notre carrière à 21 ans. On est meilleur buteur de la compétition. On a battu le record déjà à 21 ans. On est vraiment sur une carrière incroyable hein, pour le moment. Mais voilà, va falloir être solide. C'est le Real Madrid. C'est les habitués.
Ils doivent avoir une très grosse équipe. Je pense Rodrigo et Vini, ils ont dû prendre aussi des un peu de général. Bien joué. En tout cas, nous, on peut faire confiance à Chesney. Elle a toujours été là. On a remis un ou deux matchs où il a fait une ou deux bêtises, mais en général, il est vraiment présent. Et encore, tu vois, il la sort. Vas-y, viens, je suis seul. Ça, c'est pas des bons dégagements, ça, par contre. Nkunku, la... Hein ? Ça allait si vite. Oh ouais. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il fait Aurélien Tchouaméni là déjà? Bon bah écoute. Frappe prolongée par Tchouaméni à 0. Ok. Commencez pas à brancher sur on fait des passes qui servent à rien. Faute. Monsieur l'arbitre. Oh, s'il y a la VAR là. Scandaleux. Ça y est, c'est du vol. Ce sera dans la presse, hein. Attention. Oh les gars. C'est tendu, hein. Les phases défensives, c'est tendu, hein. Finale de Ligue des Champions. On est là, mon pote. Ouh, on met un but incroyable en finale, les gars. Oh l'histoire. Elle peut être très sympa, là. Là, chou. Ah, on a fait confiance au pied gauche, hein. On a fait confiance, hein. Ouh. Allez, 1-1. Focus. Allez, on peut le faire. On va pas perdre le championnat et perdre la finale des champions, quoi. Bon, on a eu la coupe, vous allez me dire, mais bon. Ouais, on aurait plus. Oh putain. Ouf. Attention, vous jouez à deux. Ah, j'ai voulu la mettre à Vlahovic. Ah, désolé. Tu devrais la défendre peut-être. J'ai pas le temps. Oh. Accompagner ma balle. Ouais, ça a écarté quand même. Vas-y. Oh là là, l'arrêt de Thibaut. Oh Thibaut, putain. Oh, j'y ai cru.
Aïe. Dommage. Bon, on se fait dominer, hein, mine de rien, clairement. Mais on est là, on tient. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, les gars? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, accélère. Oh, je l'ai vu dedans. Oh, je l'ai vu dedans. Allez. Bien. On est mieux là, on est mieux en deuxième. Non ! Il y avait un espace de frappe là. Attention. Bon, après, il frappe de loin hein, aussi. Hein. Ouf. Ah oui, d'accord. Un peu énervé, là, le monsieur. Oui ? Oh, frappe ! Bien. Pas terrible ça. Sur la contre-attaque, hein. Bien. C'est qui par terre. Golasso 73ème minute. Le 2-1. Pied gauche, pied droit. On prend l'avantage sur cette finale. Ouh. Oh que oui. Après, je vais pas vous mentir. Peut-être que la Ligue des Champions, on va la compter comme défi dans le club. Hein. Ah, c'est... Ah, oh là là, allez, c'est pas encore fait. Quelle frappe, encore une fois. Oh là là, elles sont belles. Il faut rentrer Harry Kane qu'ils avaient sur le banc. Ok, d'accord. Ok. Ok, Kane. Allez, focus. Bien. Oh là là, oh l'histoire est belle. Oh Thibaut, enlève-moi pas mon triplé. Ah non. Croise. Oh bah ça va les coachs là. Ça va, finale de Ligue des Champions, je peux perdre un peu de ma lucidité quand même. Il me faut engueuler là. Allez, pas de bêtises.
Oui, gardien. Tranquille, non, tranquille. Non, mais tranquille. Mais la seule fois de la saison où je te dis relance tranquille, tu la relances vite. Il est sérieux, lui? Oh, je pouvais pas espérer mieux. Oh oui. 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 Le triplé en finale de Ligue des Champions. Le but incroyable. Oh, oh, oh. Oh, l'histoire est si belle. Oh, alors celle-là, les gars. Oh, alors celle-là. Même dans mes rêves les plus fous, j'arrivais pas à faire une finale pareille. Oh là 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 là. Waouh. Pourquoi tu mets... Pourquoi Romain il écrit pff, quel intérêt c'est nimp. Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi on n'a pas le droit d'être heureux dans ce jeu? À chaque fois, vous dites des choses. Je sais pas pourquoi t'es fâché. Oh là 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 là. Oh là là, les gars. C'est fini. C'est fini. Victoire en Ligue des Champions. Oh, j'y croyais pas. Oh là là, elle est belle. Oh, elle est belle. Et le match, c'était pas si compliqué que ça. Au premier mi-temps, on n'a pas touché le ballon. Mais waouh. Incroyable. Le ballon d'or pour ton joueur, je sais pas. Ça, c'est quoi, décembre, faut que je regarde, c'est ça, hein. Les dates. Oh là 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 là. Oh, la finale de rêve, quoi. Vraiment le rêve, quoi, la finale. Oh, on a gagné la Ligue des Champions, les gars. Putain, c'est Rabiot capitaine, mais quelle histoire. Quelle histoire. Oh, on sera allé à chercher celle-là. Ah, ça fait plaisir. Bah comme toutes les autres, les gars, hein, bien sûr je vais la mettre sur YouTube. C'est la carrière, donc bien sûr que je vais mettre l'épisode sur YouTube. Oh là là. Je tiens à rappeler que t'as perdu deux fois contre l'OM. C'est vrai. C'est vrai que... Mais bon, nous au moins on s'est qualifiés, quoi. Et je pars à la coupe, hein, un coup ou... Non, parce que je mets un triplé en finale, je peux peut-être... Peut-être avoir la coupe, quoi. Non? Oui? Voilà, donne la coupe. Donne la coupe. Ben, apparemment pas. Incroyable. Belle saison, hein. Belle saison, hein. Deuxième du championnat, vainqueur de la coupe. Vainqueur de la Ligue des Champions. On n'a pas réussi l'objectif qu'on s'était fixé, hein, qui était de gagner le championnat. Mais on va voir ce qui va se passer. De toute façon, là les gars, c'est un délire. Hein. Premier but, hein, Tchouaméni, là c'est sur une frappe de Nkunku et Tchouaméni qui la dévie. Et du coup 1-0, on commence très mal le match. Chesney aussi, il peut être homme du match, hein. Après, c'est sur le premier but. Hop, Rodrigo dans le vent. On arrive à frapper intérieur du pied. Et ça rentre. Et Chesney, hein, les arrêts. Hein. Courtois aussi. Deuxième but. On est sur le côté. Le crochet. La même, mais du bon pied cette fois-ci. Puis bon, bah après, le banger. Hein. Pff,
Oh là 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 là, c'est incroyable. Je t'ai dit, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais pas marqué un aussi beau triplé, quoi. Oh là là. Let's go, les gars. Victoire. Et qu'est-ce que ça nous raconte, du coup? Qu'est-ce que ça nous raconte? Première fois. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est incroyable. Incroyable, quoi. Ah non, vraiment, je suis refait. Je suis refait de ouf. Refait de ouf. Bon, les gars, comme je vous ai dit, hein, on va éventuellement accepter un... Ah, c'est bon. Je pense je suis sur le marché, j'imagine, vu que je peux pas le remettre. C'est ça, les gars? Oh là là, incroyable. On va faire un petit entraînement quand même. On va pas oublier que nous, de toute façon, on va être encore le meilleur joueur au monde. Donc on va s'entraîner. Activité aussi. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Rumeur de transfert. Voilà. Indiqué pendant l'interview, vous êtes ouvert à un transfert. C'est exactement ça. Exactement ça, monsieur. Exactement ça. Malgré l'objectif raté. Bah après, j'ai 21 ans, donc rien ne m'empêche de revenir. Mais je trouve plus sympa de bouger, etc., etc. D'autant plus que là, on a fait la Ligue des Champions. Après, voilà. En fait, c'est comme je dis. Si j'ai un club qui peut me permettre de faire des objectifs, donc un top club français, un top club anglais ou un top club espagnol, j'y vais. Si j'ai pas de belles propositions comme ça, non, j'irai pas, tu vois. On va aller voir les éventuelles rumeurs s'il y a... Approché par Benfica. Tu vois, je vais pas te mentir. Bon. Bah non, quoi. Une saison à la Juve pour l'instant. C'est possible qu'on en fasse une deuxième, les potes. Hein. Encore une fois, je vous le dis. Ah. Benfica. Allez, ça va. Hein. De... Respectez-moi. Joueur appelé en sélection, malheureusement on n'y est pas. Pas ouf. Moi je voulais pas Paris, moi. Top club de Ligue 1. Ouais, non, j'avoue. Mais bon, j'attendais plutôt un Lyon ou... Ouais, mais en fait, moi, j'aimerais signer à l'OM. Ça me fait chier de signer à Paris, tu vois. On va attendre. Mais franchement, je pense pas, les gars. Je suis désolé, hein, vraiment. Je préférais un petit Marseille, tu vois, ou Monaco, ou... Tu vois, pas Paris, quoi. Parce que c'est vrai que, voilà, au niveau du challenge aussi, tu vois, c'est moins rigolo, je trouve, en vrai. On verra, hein. Tu vois, là, limite, je préfère rester à la Juve pour refaire une deuxième saison, quoi. Ces clubs ont sûrement pas le budget. Bah si Benfica a le budget, je vais pas te mentir, je crois que le budget un peu là, il est... C'est pas méchant pour Benfica, mais bon, on va pas non plus déconner. Hein. Baisse la note. Tu penses? On peut aussi tenter ça, hein, les gars. Vas-y, je vais sûrement baisser la note après, ouais. Du coup, bon. Peut-être que t'as raison, on va peut-être baisser la note pour voir éventuellement ce qu'on pourrait avoir comme possibilité. Ça peut être sympa. On va enlever beaucoup de tirs. Et comme ça au moins on sait que bah ça va tout enlever. Hein. Là, si j'enlève tout ça. 84 de général.
On va voir ce que ça donne. Mais j'aimerais bien signer, si tu veux, dans un club... Ah voilà, j'ai envie de signer dans un club aussi qui me fait un peu kiffer. Voilà, c'est tout, point barre. Allez. Nasser a tué ton PC de ouf. Il m'a dit, ah tu veux pas signer ? Tiens, boum. J'ai pris cher. J'ai pris très cher. Allez. On va voir. On est toujours sur le marché normalement. Donc là c'est la nouvelle saison hein, qui a commencé. Mais on va quand même essayer de partir. On va quand même essayer de partir. Soit les transferts, c'est bon, c'est toujours bon. Et on continue. On va faire à chaque fois aussi les entraînements, bien évidemment. Ah oui, il faut que je resélectionne la nouvelle saison. On est sur du 1002. Là aussi. Et on va mettre un dribble. On est en coup de pied arrêté, c'est pas mal aussi, je crois. Voilà. Petit penalty. Au calme. Let's go. On va voir les gars. De toute façon, on va essayer. Si on peut pas, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas hein, de refaire une saison. Hein. Faut que je refuse mon offre pour en avoir une autre. Tu penses ? Ouah, mais même le jeu, il commence à bugger là. Non, je n'ai plus. Donc, elle est partie l'offre. Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Ta 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 ! Oui, toute ma vie ! Toute ma vie ! Toute ma vie ! Manchester United serait ravi de votre présence dans le club et il vous offre un salaire de sens. Je viens gratuit. Payez-moi pas. Oui. Ouais, je suis refait de ouf. Oh, c'est si beau. C'est si beau, les gars. Regardez, c'est nous. C'est nous. Ah là 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 là. Oh Eric. Oh je suis fan de vous. Reviens. Reviens Eric. Il avait pas le temps. Il avait pas le temps. Je suis un peu déçu. Oh là on est beau. Non on est beau. On est beau. On est beau. Conférence de presse. Conférence de presse, messieurs, dames. Bien évidemment. Vous pouvez poser vos questions. Nous sommes en conférence de presse. Nouveau club, nouvelle coupe, bien évidemment. Ça aussi, on va le faire bien sûr. Quel est votre sentiment après avoir signé dans le club de votre cœur ? Ah ben là, j'avoue que... Ouais, j'avoue, c'est ouf. J'ai envie de faire des bisous à tout le monde. Vos objectifs personnels ? Oh, les objectifs personnels, remporter le maximum de titres, remettre Manchester United où il mérite d'être, c'est-à-dire au top de l'Europe, tout gagner, championnat, coupe, Ligue des Champions, tout gagner. Avez-vous un regret avec la Juventus ? Ah, le championnat sera toujours un regret, mais on a fait une saison incroyable et voilà. Après, je pense qu'à choisir, si on devait choisir le Scudetto ou la Ligue des Champions, le choix aurait été vite fait, donc au final, c'est une très bonne saison. Avez-vous une petite amie ? Le football, les gars !
Souhaitez-vous devenir une légende comme Wayne Rooney? J'aimerais faire des bisous à Wayne Rooney, s'il vous plaît. Comptez-vous faire le mercenaire également ici? J'ai des objectifs personnels dans ma carrière qui font que voilà, j'ai des objectifs bien précis. Maintenant, je suis à Manchester. On va faire de belles choses avec et on verra ce qui va se passer. Il y en a, ils ont pas compris, ils me posent des questions dans la vraie vie. T'es toujours en contact avec Yann? Oh là là. Bon, merci les gars. Les potes, nous voici à Manchester United. Vous inquiétez pas, vous avez bel et bien acheté le bon Psycho 17. Je vais me remettre mes points de suite. De suite. C'était là, 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 là. J'en ai encore 4. Waouh. 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 On s'en fout. Vas-y, on va se mettre un peu de passe. Les effets, comme d'hab. À tout moment là, je pourrais peut-être commencer à tirer les coups francs. Hein. À tout moment là, là, j'ai peut-être les coups francs, les gars. Allez. Oh les gars, on est beau. Enfin non, on est pas beau. Faut qu'on change notre pro. La coupe de cheveux ne va plus. Les dribbles donnent beaucoup de notes. Moi j'ai au max, je crois. Ah oui, j'ai mis la cam fut, c'est vrai, pardon. Bien joué. Tête. Maillot. Animation. On est là. Oh là, c'est incroyable. C'est incroyable. On aurait voulu, on n'aurait pas pu. Qu'est-ce qu'on fait? Bon. Pardon, je m'éclate à avoir les coupes de cheveux, ça me fait délirer. Coupe à la David. À la David Beckham. Ouais, mais à United, c'est crâne rasé. Hein. Ça fait pas forcément ouf, tu vois. Non, là, il faut qu'on en jette. J'aime bien ça, moi. Mais là, ça fait Fred, donc non. Au final, non. Il faut un truc qui me parle. Il faut... De toute façon, il y a un autre problème qui va arriver, c'est qu'il faut qu'on ait les cheveux rouges. Couleur du club, comme d'hab. Coupe à la Tenag. Elle est pas rouge? Vous êtes sérieux? Il n'y a pas rouge? Ah, ça c'est rose. Ouais, bon bah ok, ça là, ok. Harry Kane. Mais moi j'ai bien envie de repartir avec des petites tresses. Ah, j'aime bien ça, moi. Ignoble. Bon, pas ton avis. Ça me fait délirer. Ça, on n'avait pas eu celle-là parce qu'on avait mis celle-là avec les... On a mis celle avec les petites décos là. Il me semble. Oh, alors on fait lire quoi? Oh. Ouais, on avait mis celle-là nous. Non, vas-y, je vais mettre... Allez, attends. Hein. Parce qu'on revient... On revient de cheveux mi-longs. Donc du coup, il faut qu'il reste long mais avec des dreads. Moi, je pense que je vais mettre ça en vrai. Boula Z, boula Z. Fellaini. Ah ouais, on pourrait faire un Fellaini. Non, vas-y, je vais mettre ça, moi j'aime bien. Et puis je m'en fous de vos avis. Moi j'aime bien ça. Oui, pourquoi numéro 27 là? Oh les gars, on peut aller voir l'équipe. Oh l'équipe. Alors. Attendez, je me spoil pas, on y va. Du coup. Au goal.
David Derrea toujours là. Et Henderson, défenseur gauche. Défenseur gauche, on aurait éventuellement un Tagliafico. Non, Sosa. Un jeu, non, un croate de... Ok. Ok, Sosa. Winchdal aussi qui est là. Un petit Fernandez. Tagliafico. Ok. Ok. En défenseur central, on a Alaba. Wouah, Militao, Upamecano, Pololo. La défense. Oh oui. Oui, oui. Défenseur droit. Ok, je pense qu'on joue trois défenseurs en vrai. Peut-être. Milieu de terrain. On a toujours Casemiro qui est là. McTominay. Van de Beek, toujours là aussi. Et on a Marco Verratti dans notre effectif. Et Goretzka. Sympa. Guimarães aussi qui a été acheté à 80. Wouah, Fernandez. Putain, milieu de terrain, les gars. Oh, wow, là, 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 là. Mais je brille. Sancho est toujours là, il a pris du bon up. Garnacho est là aussi. Kulusevski a été acheté. Pelestri toujours là. Elanga toujours là. Anthony aussi. Et en buteur, on a Sadik, Danyuma, Unal et moi-même. Putain, je suis vraiment un transfert qu'il fallait, hein. Ah ouais, ah ouais, 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 j'aime bien l'effectif, j'aime bien. J'aime bien l'effectif. Ok. Eh ben écoutez les gars, on est là, hein. Retrouver d'anciens coéquipiers. Ah ouais ? Je me souviens pas. Ah non, d'accord, ok, d'accord, pardon. Ça n'avait rien à voir. Vas-y, entraînement. Ah oui, bah j'ai changé de club, donc faut que je refasse mes... Oh là là, les gars, United, putain, incroyable. Incroyable. Incroyable, les potes. Oh là là. Oh, je suis refait. Magnifique. T'aurais le laissé, j'espère. J'ai pas regardé, j'avoue. J'avoue, j'ai pas regardé. Laisse-moi finir les entraînements. Et on ira voir ça. De toute façon, je suis pas sûr qu'on va commencer aujourd'hui. Parce que là, après, on doit aller sur Ultimate Team pour aller ouvrir quelques packs. Mais là, faut que je fasse mes entraînements pour impressionner Eric. Voilà, tu vois, il me kiffe là. Là, il commence à me kiffer de ouf, Eric. 2, 3, 4, 5, 6. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Oh. Là, normalement, on est titulaire. Let's go. Le 17. Mais je crois que mon numéro, il se change tout seul, les potes. Il me semble que mon numéro, il se change tout seul, non? Semblait, hein. Je sais pas où c'est. Ah ouais. Moi ça me l'avait redonné tout ça. Enfin j'avais pas changé. Mais ok, bon bah, écoutez. Je lis un livre sur le club avec plaisir. Ouais ouais, je fais tout ça, bien sûr. Bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Toute ma vie je fais tout à Manchester. Séance de questions-réponses, avec plaisir, on l'a déjà faite, mais bon, on dit oui. On prend tout ça, on prend. Prêt. Ah ouais, je peux récupérer toutes mes thunes en plus. On a fait masse investissement. En fait, j'avais m'acheter un yacht. Du coup, j'essaye, mais bon. Combien il a coûté ton transfert? Mais pas cher, parce que j'ai baissé ma note générale. Pour pouvoir avoir des offres un peu plus. Ah là, on a perdu 45 000 quand même. Mais bon, là on a bien gagné. On va faire tout ce qui est disponible. De toute façon, j'investis partout. Hein. Vraiment, on pose plus la question. On y va. Allez. Tu vas rester à Manchester. Bon, alors déjà, laissez-moi arriver. Déjà, on va regarder un peu aussi le... Voilà. Un petit peu les calendriers et tout, etc. Qu'est-ce qu'on a comme, comme compétition. Parce que, est-ce qu'on peut voir le classement de la saison passée ou pas? C'est vrai que j'ai pas regardé là. Après,
Est-ce que je peux voir le classement de la saison passée? Je suis pas sûr. Non. Bon, écoutez, on va voir. Dans saison calendrier, peut-être. Bon, pour l'instant, les coupes européennes sont peut-être pas affichées ou peut-être j'en ai pas. Je sais pas trop. Donc pour l'instant, je pourrais pas vous dire ce qu'on va jouer et ce qu'on va pas jouer. Mais on est là, hein. On verra, hein. On verra ce que ça donne, les gars. Vas-y, je fais entraînement après, de toute façon. Ouais, c'est sûrement pas encore affiché, ouais. On est totalement d'accord. Ok. Bah écoutez les gars, c'est vite vu hein. Ce qui va se passer, c'est qu'on va s'arrêter là. On reprendra semaine prochaine la carrière pour commencer nos débuts avec Manchester United. Voir un petit peu ce qu'on va jouer. À tout de suite.